Un homme de grâce. Grâce pour nous, c'est la campagne, c'est les fleurs, c'est des énormes extensions avec des couleurs vraiment attrayantes. Vous avez choisi, ou c'est Grâce qui vous a choisi et que vous êtes un ambassadeur? Non, je crois que je suis né à Grâce. Je n'ai pas choisi de naître à Grâce, je suis né à Grâce, donc je fais partie de Grâce. Et ce lieu m'est cher parce que c'est un lieu où je trouve mes racines. C'est un lieu qui est consacré au parfum, c'est un lieu du parfum, des plantes à parfum, et c'est un lieu dans lequel je puise ma tranquillité, ma sérénité pour créer des parfums. Vous travaillez sur des produits naturels? Je travaille sur des produits naturels, mais pas seulement des produits naturels, je travaille aussi avec la chimie. La chimie, comme les produits naturels pour moi, sont importants en parfum. En fait, ce que je cherche, c'est surtout l'odeur, l'odeur pour l'odeur. Et comme un peintre ne cherche pas l'origine de ses pigments, mais la couleur, hein, la couleur pour la couleur, moi c'est la même approche. En plus, j'ai une connaissance des matières premières naturelles un peu plus grande que la normale. Dans le langage actuel, chaque fois on s'habitue à les présentations, les formules, le discours des œnologues. Je retrouve parmi votre brochure qu'il y a des liens dans les odeurs, dans le cheval, dans la terre, dans les fruits. Vous en parlez d'orange, de pamplemousse, et même Hermès, je pense que régulièrement, a un attrait pour le pamplemousse, les oranges, le monde du citron. Alors, l'attrait, à mon avis, du monde du citron, des mondes du citrus, c'est l'attrait méditerranéen, parce que il suffit de prendre son temps pour regarder Hermès, et Hermès a un aspect comme ça, très méditerranéen. Et à une culture méditerranéenne, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la générosité méditerranéenne. Le discours identique ou la similarité du discours œnologue avec les parfums, elle est logique parce que en fait on s'aperçoit que un œnologue comme un parfumeur fait appel aux mêmes descripteurs, hein, on cherche toujours à peu près les mêmes mots, on fait référence aux mêmes mots et on parle au sens. Et alors, évidemment, on arrive à ces idées de pamplemousse, on arrive à ces idées de notes animales. Alors, les notes animales dans les parfums existent aussi dans les vins. Et donc, mais je crois que c'est la recherche de sens, c'est-à-dire de raconter une histoire. Et comment parler à l'âme humaine. Je viens de descendre d'un avion. Et à l'aéroport, il y a toujours des annonces, il y a de la pub des femmes et le parfum. Et l'homme, il n'est presque pas là. Vous trouvez qu'il y a un marché homme, un marché qui, en plus, dans le marketing, dans la recherche, a un pourcentage intéressant pour une compagnie comme la vôtre? Alors, le marché homme, c'est un marché beaucoup plus petit que le marché féminin, puisque ça doit être de l'ordre de 60-40, hein, à peu près. Donc, 60% pour les femmes, 40% pour les hommes. Donc, c'est un plus petit marché pour les hommes. Ce qui est intéressant chez les hommes, c'est que ce sont les femmes qui choisissent la plupart du temps les parfums pour leurs hommes.